In questa puntata, un fuoripista davvero pericoloso quando l'uomo sfida la natura. Divertirsi con la sfera gonfiabile. Chi vincerà la sfida tra la Mazda RX-7 e la Kawasaki ZX-10? Quando il basket diventa artistico. Manda i tuoi video a fuoriditestaitalia@gmail.com. Le scene che state vedendo sono state fatte da professionisti. Non imitateli assolutamente. Donc je passe l'avalanche, j'arrive full speed en bas, je sais pas ce qui se passe, je me mets un tête-pied, je sais même pas pourquoi tellement j'étais en stress. Et la tête-pied, je me dis putain non, et en plus malheureusement ou heureusement c'était comme dans les films, je me retrouve face à la montagne, et juste le temps d'essayer de me relever pour repartir dans le bon sens, je vois le nuage qui m'arrive dessus, ça a pris d'un coup, première couche de neige qui m'ensevelit. Là je me dis putain ça va, c'est pas trop épais, et puis d'un seul coup t'as l'autre couche qui arrive, et là je me suis dit, tu sais, d'un seul coup tu repenses à tout ce qu'on te dit quoi. Tu repenses à respirer lentement, machin, de faire une poche d'air et tout le bordel. Ah, petite frayeur quand même, hein. Petite frayeur, mais voilà, c'est pas pour aujourd'hui.
Well, we're here at the Sandia Wonderful Motorsports Park here in Albuquerque, New Mexico. This is actually going to be probably one of the first times that we've ever done a wicked car versus bike drift battle. And we're trying to find out what it's going to take to get myself run over by a absurdly obnoxious RX-7. As long as he doesn't catch a rut and a hook in front of me like this morning, we're going to be just fine. Yeah, I'm going to die. But it's still good. Yourself in order to achieve your dreams. We believe the limits of the possible can only be defined by going beyond them into the impossible. We believe there's one true direction. Up.
manda i tuoi video a fuori di testa italia@gmail.com.